On l'a vu récemment avec les différents rapports sur le climat, tout le monde doit s'y mettre pour modifier la trajectoire sur laquelle on s'enligne. Une des choses qu'on fait tous les jours, manger, pourrait nous permettre de faire une grande différence. Imagine si on devenait tous et toutes végétaliens. Environ un cinquième des émissions de GES mondiales proviennent du secteur de l'agriculture, de la foresterie et des autres utilisations des terres. À lui seul, le bétail compte pour 15% de toutes les émissions GES attribuables à l'activité humaine. C'est à peu près l'équivalent des émissions de tous les transports réunis à l'échelle mondiale. Principalement parce que les animaux qui sont destinés à être mangés émettent du méthane lors de leur digestion, un gaz à effet de serre environ 25 fois plus puissant que le CO2. L'agneau et le bœuf sont les viandes les plus émettrices, suivies du porc, de la dinde, puis du poulet. Il faut aussi savoir que le bétail est un immense consommateur de céréales et d'eau, une denrée qui est de plus en plus rare. Près de 40% des céréales produites et récoltées dans le monde servent directement à nourrir le bétail. Au Brésil, on va même jusqu'à couper des arbres dans la forêt amazonienne pour faire place à des pâturages ou à des cultures de soja uniquement destinées au bétail. Et moins de forêts, c'est moins d'émissions de CO2 absorbées. Au Québec, le secteur de l'agriculture, qui comprend les émissions de GES provenant de la digestion des animaux, de la gestion du fumier et de la gestion des sols agricoles, représente un dixième de toutes les émissions qu'on émet dans la province. Une étude a même montré qu'en hiver, un régime végétalien qui comprendrait des aliments importés est moins coûteux en GES qu'un régime omnivore, mais local. Toi, tu serais prêt à tenter le régime végétalien ?